Real Berlin. Parfumerie générale reste parfumerie générale. Je pense que il y a deux esthétiques qui vont vivre en parallèle. L'item art me donne la possibilité de donner plus d'espace à ma créativité. Je ne peux pas sortir des parfums continuellement ou tous les 6 mois. C'est la marque parfumerie générale et Dieu sait que j'en ai envie, mais il y a des contraintes commerciales qui font que le réseau commercial n'est pas prêt à absorber beaucoup de références. Donc c'était une occasion pour moi de donner de l'espace à mes créations et donner un nouveau berceau. Je pense que les gens qui vont découvrir ou qui viennent de découvrir 8e art se rendent compte qu'il y a forcément une ligne rouge entre les créations de parfumerie générale et les créations de 8e art. Cette ligne rouge, c'est simplement ma sensibilité artistique. Et c'est tout à fait normal. Beaucoup de différences dans la mesure où le style change. Depuis 2002, date de la première création chez Parfumerie Générale jusqu'à maintenant, 8 années se sont passées, se sont découlées. Les goûts personnels ont changé, j'ai changé aussi. Et je pense pas que si je formulais en ce moment, je recréerais peut-être Nick Maori ou Terminum de la même façon. Peut-être que je ne créerais même pas. J'aspire à autre chose et j'ai envie d'autre chose. L'éternel me permet de m'exprimer dans cette façon-là. La différence principale entre les deux, c'est que j'ai toujours un faible pour les expérimentations et pour essayer d'ouvrir de nouvelles voies ou d'explorer des pistes encore un peu obscures dans le métier de formulateur. Avec 8ème art, j'ai eu la possibilité de tester des matières premières qui arrivent sur le marché petit à petit, puisque les gens me connaissent à travers PG comme un géo trouve tout peut-être, et je reçois, ce qui est très agréable, des matières premières de façon hebdomadaire, des nouvelles matières premières, de très gros fournisseurs, de très grosses maisons, de plus petits. Et en fait, l'envie et le besoin de créer une nouvelle ligne s'est imposé au fur et à mesure que je recevais des nouveaux ingrédients qui me permettaient d'aller dans les directions que je n'avais pas explorées avec Parfumerie Générale. Et surtout, je pense, m'aboutit à des jus qui n'avaient pas leur place au sein de PG, parce que le style est trop différent. Donc je pense que les personnes qui me suivent chez Parfumerie Générale auraient pensé que je changeais complètement de style, ce qui n'est pas le cas. C'est juste que voilà, c'est complémentaire. Ce sont deux lignes qui sont en total résonance.
beginning, and I know it's got something to do with my own. We'll
Thank you.
nosotros es muy importante y de que lo pidamos más que nada respetuosamente y agradeciendo, ¿no? Y así irnos y saber y agradecer, ¿no? Y decir, ¿no? Pues mamacita, pues mamá, usted me crió, me da la vida, ¿no? Yo te agradezco, yo te aprendo algo, ¿no? Una ropa, o una o lo que yo pueda, ¿no? Eso es eso, de agradecer a la tierra y pues, armonía, vivir armonías, al mismo tiempo es dejar la ofrenda, ¿no? Adornarlo en un altar. We'll be right back.
Thank you.
Oh,
me, 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 me